Hello everyone, welcome to BGS Brain Gaming Session number 5. BGS plus 5. Brain Gaming Session plus 5. On est de retour et on va faire le grand saut. Attention Bayek, si nous montons à bord, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Soit la reine montera sur le trône, soit nos têtes finiront au bout d'une pique. J'ai compris. Allez, on y va, on va pas sur le tour du pot. Donc on a bien avancé. Avec quelques petites missions secondaires. Oh là là là, les bugs. Oh, les bateaux étaient énormes à l'époque. Il est rare que je transporte une déesse. À notre bord, nous n'avons ni roi ni reine, mais pour moi, nous sommes tous des dieux et des déesses. Tu seras donc en bonne compagnie. Toute chose étrange et terrible sera la bienvenue. Je crains que mes quartiers ne soient pas aussi confortables que votre palais. Le confort, je le méprise. Loyal porteur de bouclier, tu te sens bien? Je suis en émoi devant cette déesse. Elle mérite nos égards. J'ai peine à croire qu'elle soit à notre bord. Ne te fie pas aux apparences. C'est surtout elle qui a besoin de nous. Maya, voilà la véritable déesse. Là-bas, tu as vu au loin. Un gros bateau. On va voir juste César, je crois. Maya, tu montres déjà à Bayek les meilleurs endroits où faire l'amour, hein. Assez, Fox. L'heure est au combat. Ah, n'êtes pas que faire du bateau. Nous transportons une cargaison précieuse. La reine Cléopâtre, dame de la perfection, du jonc et de l'abeille, et détentrice de tant d'autres titres ridicules que ma pauvre tête ne peut tous les retenir. Maintenant, si vous le voulez bien, regardez droit devant nous. On a de la compagnie qui s'annonce. Ils ne nous feront aucun quartier. Les émissaires de notre petit pharaon. C'est bien aimable de leur part. Accueillons-les dignement, d'accord? Chaudement, avec toute la flamme de nos cœurs. Alors, rappelle l'époque où j'ai navigué avec des pirates. Il y a 20 ans de ça. Ah, je vois qu'on t'a raconté. C'est vrai, je louais déjà mes services. Oh là là, ça ne va pas dire. Ça a été ma seule et unique intrusion dans la vie de Forban. Je préfère garder un peu de décence. Juste en bas. Parfois, un brin, c'est beaucoup. Il parle ! Le grand bétail ! Nous sommes en mer. Ici, la grandeur t'est réservée. Viens de t'allumer ! Je sens bien. Ah là ! Il est plus facile de naviguer quand d'autres navires ne sont pas navigués. Si autant de trirènes disparaissent, on ne sera pas alerté. Il va lui falloir du temps pour en découvrir. En avant ! Capitaine, vous pliez sans le charbon. Là ! D'autres navires de Ptolémée ! Ils veulent nous encercler et nous ramener vers le rivage. Je vois ce regard dans tes yeux. Pourquoi les combattre ? Pourquoi ne pas passer en force et mettre le cap droit sur Alexandrie? Je dois m'assurer que la voie est sûre pour Cléopâtre. On doit le faire. Ok. Ces Nekhetiatètes vont avoir droit aux flèches de riz. Ça fait plaisir d'entendre des jurons égyptiens sur un navire grec. Où l'intérêt de la vie est dans la variété. Et dans le massacre. Ah là là! La flotte attend des ordres, ailleurs! Nos catapultes tireront sur ton nom! Et demain. Et surtout, vise juste! Il fallait nous flèche! La flotte est à ta disposition! À ton signal, on fera pleuvoir le feu sur eux! Qui est le dieu du feu? Réveille-le! Et dis-lui
qu'il est temps de se mettre en colère. Ah, c'est mauvais. On fera pleuvoir le feu sur eux. Une balai de flèches. Prenez ça, bon Aria. Une balai de flèches. Allez, donnez tout ce que vous avez. Monsieur Tomé là. C'est vert. C'était un piège. C'est toujours pas fini. Maudit putain les mecs. Mais ça m'arrive d'être efficace. Je ne suis pas ces crétins généraux romains en contre-plan. C'était des hommes. Du bien, Foxidas, ce n'est pas fini. Nos catapultes joueront leur rôle. Quasiment fait un sans faute, c'est dommage. Une bête attaque.
Maudit président! Crois-moi, tu n'arriveras pas à se dire poisson si facilement! Allons, vieillard, inutile de vivre sans les dieux sans vraiment. J'ai toujours préféré les dieux irascibles aux dieux plus faibles! Et envoyez-nous vos fléaux! Il nous reste une bête à traquer. Arrêtez-vous! Plus de métal! Il faut frapper fort! Reprendez la cadence! Plus de métal! Il faut frapper fort! Qu'est-ce que c'est dur? J'aurais fou, je vais. On vise! On vise! On vise! Allez, on ne va plus vite! Il faut frapper avec on vous tire dessus! Allez, on vise! Allez, on va! Ce n'est pas fini. Nos catapultes joueront leur rôle. Ils vont tout prier. Oh, je veux que leur sang rougisse l'océan. Thanatès, donne le signal. Augmente la cadence. Oui, capitaine. La la la. Déjà, qu'est-ce qu'on doit? Une ville flottante. Les dieux veulent-ils voir disparaître la flotte? Maudit Poséidon. Ouais, je vais pas recommencer 100 fois. Je ne suis pas ces crétins généraux romains au coffre plein. C'était mes
hommes. Du calme, Foxidas, ce n'est pas fini. Nos catapultes joueront leur rôle. Ils vont fuir. À peine commencé, je suis déjà tout esclave. Voilà, je suis à moitié mort et faudrait les défoncer quoi. Oh mais c'est infaisable. Mais c'est infaisable, c'est chiant. Deux navires perdus. Maudit dans les mains. Mais sa marine est efficace. Je ne suis pas ces crétins généraux romains au coco-plat. C'était mes hommes. Du calme, Foxidas, ce n'est pas fini. Nos catapultes joueront leur rôle. Ils vont prier.
utiliser juste, en fait, faut juste utiliser la catapulte. C'est ça la conclusion. Dois-je m'excuser de t'avoir remis au travail? Pas du tout! Pas du tout! Tu as fait bouillonner mon sang de la folle ardeur du combat! Par Zeus! Je n'ai pas vu autant d'action depuis le début du règne du père Cléopâtre! Ne crions pas victoire trop vite, vieil homme. Nous sommes en mer avec une cargaison de bombes navires. Ne me mentirez pas, traite d'un verre, ces vêtements avaient l'air de. Ils sont tous sauts, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe encore? Ces Malakias ne sont pas encore morts. Prenez les radeaux et profitez du brouillard pour fuir. Je vais m'occuper d'eux. Le destin est parfois aussi vite qu'une garde, Saya. Profite des encarts. Je vais rester dans la tempête. Fuyez, bande d'idiots! Oubliez ces flèches de feu! On va tous crever. C'est un massacre. Avant le combat, nous honorerons notre déesse! Quelle histoire, hein? Ah, ça sera Aya. C'est pas Aya Nakamura. Nous ne pouvons pas verser des sangs romains. On ne s'aventure pas dans les palais armés jusqu'au temps. Alors laissons nos armes. Armés ou pas, ils la reconnaîtront. Tapis. Pour une fois, une entrée de rêve ne sera pas nécessaire. Ayez l'air naturel. Nous sommes censés être à notre place ici. Souvenez-vous-en. Notre reine va bien? Je vais bien. Elle est dans le tapis, et je dois dire tapis. Qui sommes-nous? C'est moi qui parlerai. Personne ne passe sans escorte ou sans sceau royal. Je suis le nomarque des Lyopolis. Ce sont mes filles à qui taille. Nous apportons des présents de la part de nos marchands. Qu'on les laisse passer. Qu'on les escorte. Suivez-moi. Tête de loup. Par ici. Notre impérateur apprécie votre fatalité. Avez-vous reçu l'accueil chaleureux de nos pharaons le secret? Les célébrations attendent la conjonction du gaz. Le vizir et le roi vous accordent d'agréables quartiers au palais. Mais je ne peux te garantir que mon impérateur vous accorde leur audience. Nous comprenons. Tu es un bon légionnaire. Nous saurons nous montrer très patient. Tu crois croire en tous les dieux? Bien sûr. Nos dieux sont meilleurs que les meilleurs. C'est pour bien bientôt. Dormez. Dormez.
Ça va aller, repos, légionnaire. Nous sommes au service du grand-parent Ptolémée XIII, des envoyés de l'Est, avec Kakako, ton impérator. Allez-y. Voulez-vous que je vous aide à porter votre tapis? Merci, mais c'est un tapis sacré. Il doit être porté par des Philakitai. Ils en connaissent les particularités. D'accord, il faut faire quoi là? Après, c'est pas des Grecs, c'est des Romains. Ils viennent au nom du pharaon. Dormenet, qui es-tu? Il ressemble à un coureur de l'hippodrome. J'en suis un. Devrais bien me voir courir. Le guerrier de Siwa. Allez-y par ici. Ça va aller. Repos, les yeux. Nous resterons au palais jusqu'à ce que les compagnons politiques soient soirées. Le palais est à ta disposition, Gaius. Ah, c'est la tête de qui? Ah, c'est Ptolémée. Pompée était ton ennemi, Zara. L'Adore était mon ami. Mais tu as raison, Ptolémée. Parlons plutôt de cette alliance. Pardon, César. Voici un présent de notre pharaon Cléopâtre. Pharaon? Ce n'est pas un présent. Ce sont des amis, ma sœur. C'est un piège. Au lieu d'un émissaire, le pape m'envoie cette chose. Je me demande comment vous êtes tous entrés dans mon palais. Garde, tu es traître. Mon pauvre frère. Allez, c'est le vin tourné au vinaigre. Et mon royaume tombé en ruine. Grand Dame, ton audace n'est pas égal que ta beauté. Fabius, je te prie. Je peux t'offrir ce dont mon frère m'a superbe prophétie. Ma mariage. Un vrai mariage, mes yeux. Si je t'allie à ma sœur, je serai exécuté de tous les Romains à son sang. Une nation invisible. Petit frère. Dehors, tous. Je vous ferai appeler dès que cette affaire sera réglée. Je veux entendre la version de chacun de Ptolémée. Boutinus et Septimus sont disparus. On les a attrapés. Tu auras bientôt ta vengeance. L'heure est venue pour Cléopâtre de devenir notre reine. Si elle est couronnée, nous pourrons agir de l'intérieur. Demain, la reine aura transformé la flatterie en accord. Retrouvons-nous dans les jardins au lever du soleil. Vous avez prouvé mille fois votre valeur. Vous êtes de grands Medjay. C'est nous. Cher Aya, merci de ta venue. Tout se passe bien avec le grand Zaba. Tant mieux, ma reine. Tu seras bien. Oui. Mais je dois te demander une faveur. Le tombeau. Je crois que César devrait avoir l'honneur de rencontrer le fondateur de notre royaume, Alexandre. Tu cherches à impressionner ton nouvel amant? Mais le tombeau est scellé, non? Il l'est, mais par un acte de Gaïa, pas par un décret royal. Un tremblement de terre au début du règne de mon père en a bloqué la porte. Connais-tu assez notre métropole pour nous suggérer un... Oui, allez, c'est bon. Rejoins l'entrée du tombeau. Ah,
Ah, du coup, c'est pour ça que le tombeau n'était pas accessible. Le tombeau est en dessous, alors on fait comment pour y aller? Je veux bien, mais c'est par où? T'ai-je déjà parlé du poète Catulle? Je ne crois pas à César. Un autre chien qui a osé mentionner dans ses vers. De plaire et de saisir, César sont les derniers de mes soucis. Je me moque de savoir si tu es blanc ou noir. Quelle imprudence! La tombe avait raison de me priver les poètes. Ah ouais, j'ai trouvé. C'est un cul-de-sac, madame. Je veux m'en assurer. Vous avez raison. Ce passage est complètement bloqué. Le tremblement de terre a dû malmener la structure. Des lances brisées. Ces Romains ont vraiment tout essayé. Ah, une ouverture, là. Étrange. Cette paroi est moins solide qu'il n'y a pas. Je dois devoir passer par dessous. Ou la contourner. Qu'est-ce que c'est? Nous étions petits à l'époque. Maintenant. Attendez, est-ce qu'il y a des serpents? Il faut passer par les égouts. Personne n'a eu le courage de se tremper dans les abysses. Nous avons le courage. Il y avait des égouts à l'époque? Je suis pas sûr. Que je peux monter assez haut pour respirer. Alexandre le Grand. Alexandre the Great. Il n'était pas conservé dans du miel. Le tombeau. Je pense que c'est ça l'histoire. Incroyable. J'espère que tu me trouveras un sarcophage aussi beau. Tes désirs sont des ordres. Ils disent que ce sarcophage est rempli de miel. Que ça préserve le cara. Incroyable. Promets-moi que tu m'enterreras, malade. Je veux pouvoir te protéger d'un échange en feu. Je te le promets. Ces inscriptions, au fond, elles parlent de ses joies, la crypte et le sceptre tient à Alexandre. Et c'est du grec. Tient debout parmi des arbres. Une sphère couverte de symboles sous le sceptre. De l'homme noir. Du roi aux dieux. C'est la même sphère? Où est l'or que je t'ai donné?
Je l'ai remise à Ardorus. Il voulait les tuer. Dégageons le passage pour les autres. Je vais aller inspecter cet endroit. C'est presque sur le mur. Ensemble, nous revient plus qu'à l'étendre. Oui. Quand est-ce que la reine va cesser d'apprécier ça pour s'en servir ses âmes? C'est clair. Nos besoins sont aussi les siens. Elle est ici. Avec ça, nos émissaires ont été capturés par la garnison d'Alexandrie. Les soldats ont été de comportement capturés. Est-ce la diplomatie de Ptolémée? Je l'ai dépêché, ma garde. Des soldats grecs qui circuleront plus facilement que des Romains. Marais, laisse-nous dépêcher ces fonds. Flavius, approche. On voit. Nous avons trouvé le grand roi. Ce ne sera pas facile pour t'aider de la garnison. Je n'aurai peut-être pas à la terre en entier. Je préfère rester discrète et éliminer la commandant. Si tu dois t'attendre aux armées de Ptolémée, j'aimerais me battre à tes côtés. Je vais provoquer une bagarre pour distraire la garnison. Bonne idée. Je vais récupérer les émissaires. Ah, ça va pas être trop dur. Non, je veux voir la carte. Je peux voir la carte. C'est J'ai pas d'armes, si. Oh, c'est long. Ah, mais ils sont dans un château. C'est inutile. Changeons de méthode.
Le lion dit qu'il faut marcher sur le phare et prendre la lumière. Ils sont partis pour où? Le palais. J'ai pas vu ce qui se passait pour les autres. Attendez. Non, on peut pas voir. C'est casse-pied. Et maintenant, on détient peut-être des informations précieuses. Il faut que je le ramène à César. Je dois trouver un cheval. Oui, je dois trouver un cheval. Ces Romains prennent des risques à nous ignorer. Nous nous soulèverons jusqu'à. Mes amis! Nous devons prendre les armes! Je préfère aller au Sarajevo. Priez notre seul et unique espoir. Tu as des hommes sur qui tu peux compter. C'est peut-être mieux de te piéger dans le palais. Ne t'en presse. Le feu, alors le feu. Si nous changeons la lumière du phare, le reste de la flotte sera fait faire. Nous la rejoignons sur le char. Seul le grand César, je vais donner l'ordre. Ma reine, tu devrais m'accompagner au combat. Je resterai sur le trône pendant que ces soldats triompheront. Je resterai reine jusqu'à ce qu'une épée transperce le cœur. Et l'âme sans restera sur le trône. Dans ce cas, je reste. Ma vie n'est à jamais entre deux mains. Donc c'est elle la reine, ça y est, on a réussi. Maintenant, la partie cruciale du plan. Place ceci dans le foudre du phare. Elle m'accompagnera vers la galère. Alors, que règne le chaos? Aga, si tu rencontres mon frère, fais ce qu'il faut. Faut le tuer. Bah, d'accord, bravo. C'est ton petit frère quand même, hein. L'odeur de la guerre. Nous allons mettre notre reine sur le trône. Tu es la seule reine qui mérite un trône. Donne-moi la poudre. César pense qu'une femme n'est pas digne de ses tâches. Prouvons à César qui a tort. Bon, allez. Il y a le feu partout. Attention, l'endroit est bien gardé. Comment ça? Oh, ça commence très très mal. Le phare d'Alexandre comme il est beau. Oh,
Et surprise. Tout le monde est mort. Faut aller au sommet. Il est beau, regardez-moi ça. Rien d'y penser, ça me fatigue. Mais moi, mais jamais je fais ça, quoi. Bah, vous le sentez là? Est-ce que vous le sentez là, le... la peur? Moi, oui. Il m'a semblé entendre un scarabée escalader. C'est il est cool! Rappelle les putains d'Alexandrie que Momo généreusement leur rend des assises. Sérieux? C'était rapide. On y est presque allé. On a déjà fait pire. Puis on conclura cet épisode. Enfin cet épisode. Cette vidéo regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau, regardez moi ça, the view of Alexandria, beautiful, mais la tête c'est magnifique, on voit même les pyramides de loin et on a fini. Ah du coup ça a coupé et c'est nous qui allons remonter. Oh là là, non pas ça. Pitié pas ça. Les hommes de Ptolémée enfoncent nos lignes. Non. Nous attendrons de voir le signal. Comment as-tu pu confier à une femme une tâche d'une telle importance? Comment la flotte va-t-elle recevoir ses ordres? Patience, César. Ah, c'est vert. Allez, rejoins-nous le champ de bataille. Mais tu cours, beaucoup ont douté d'ailleurs. Mais tous sont payés par sa lame. Bah voilà. Bah, c'est n'importe quoi. Hors de mon chemin. Accroche-toi. À gauche.
J'espère que tu es aussi bon archer qu'on le dit ou nous mourrons. Contente-toi de conduire et tenir ces chiens à distance. Curieuse manière de parler de tes compatriotes. Ceux qui renient notre peuple ne sont plus mes compatriotes. Ouais bon, je vais m'arrêter là, parce que ça devient fatiguant. Nous sommes cernés. Je m'en occupe. Alors, fais vite. Derrière, ce char gagne sur vous. Là, il gagne sur vous. Je tire aussi vite que je peux, Romain. Je ne peux pas voir. Plus vite. On peut encore le distancer. Oh, il y a l'éléphant carrément. Nous allons l'affronter. Prépare-toi, César, au combat le plus difficile de toute ta vie. Je crois que tu exagères. Et Osiris en personne. Les flèches ne font qu'énerver. Tiens ce char en ligne. J'ai fait de me débarrasser de ce monde. Je n'ai plus rien à lancer. Quand tu veux, Bayek. Ouais, super. On a réussi. Oh, vache. On chantera nos prouesses, Bayek. Allons, rejoignons les navires. Nous serons les héros de la lame et de l'esprit. Est-ce que c'est le final? C'est deux traumas. La ligne de monsieur Trostal. D'après nos spéculateurs, c'est Potinus qui mène la charge. Continuez à occuper les soldats. Je me charge de Potinus. Arrêtez de faire. Ok, donc on affronte le dernier quoi. Alors, seul truc qu'il y a, c'est que je suis niveau combien? Ambiance ici. Pourquoi qu'on entend là qui vient. On va se quitter là, donc on est sur le champ de bataille. Alors, on met cible, ouais, le chacal et le scorpion. Mais il reste un, le lion. C'est le dernier qui reste, je pense. C'est lui le chef. Je sais pas si on va le trouver.
peut rien fabriquer. Là. Plein de peau de bête, mais j'ai pas de... Faut de la peau de croco et de la peau de biche. J'ai pas de... Ah si, j'ai une épée à niveau 30. Ah non, mais c'est un truc pour taper. Ouais, bon, on va se quitter là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.